Bon, on peut me dire que bon, les taxes sur les transactions financières, ben, ça ne marcherait pas, on ne peut pas les implémenter. Eh bien, si. Les taxes sur les transactions financières existent déjà. Si vous avez une carte de crédit et vous allez à l'étranger, vous achetez des choses en livres ou en dollars, vous êtes systématiquement, vous avez une taxe effective sur vos transactions qui, en France, est typiquement 2%. Et en Royaume-Uni, c'est pire. Il y a, la plupart des cartes imposent une taxe sur toute transaction dans les devises étrangères entre 2,75 et 2,99%. De façon intrigante, hein, il y a quelques cartes, il y a 6 cartes sur les 250 quelque chose disponibles en Royaume-Uni où il n'y a pas de frais du tout. Donc, ce n'est pas qu'ils sont obligés de le faire, les banques. Mais ces charges-là, parce qu'ils arrivent à faire et que personne ne dit rien. Mais par exemple, moi j'ai 2 cartes de crédit. Ici, donc ma carte Honey, quand j'ai acheté des choses chez Amazon UK, cent de livres, ça m'a coûté 122 euros plus 2,58 de charges, de frais. Qui correspondent à 2% de la transaction. Avec une carte corporate BNP que j'ai également, c'est des transactions que j'ai faites aux États-Unis l'année dernière. Vous voyez dans la colonne de droite, j'ai des montants en euros, plus entre parenthèses, un charge sur les transactions qui varie entre jusqu'à 6,61% pour l'achat du pétrole dans une station de service. Pourquoi? D'où viennent ces chiffres? En fait, j'ai calculé que ça correspond à 70 centimes pour toute transaction dans un devise étranger, plus 2,2% en plus. Alors ça, il faut dire que ça, c'est une vraie taxe sur les transactions qui n'a aucune justification. Sachez que les magasins eux-mêmes payent 2 à 3% pour pouvoir encaisser les cartes de crédit. Donc tout ça, c'est réglé. Ça, c'est juste ce que les banques vous facturent pour multiplier le montant en livres ou en dollars par le taux d'échange. Ça n'a aucune justification. Aucune justification. Donc c'est une véritable taxe sur les transactions qu'on ne peut pas justifier, ils ne font rien là-dessus. Et juste pour montrer à quel point le système est ridicule, je vous ai parlé tout à l'heure des montants de transactions de devises étrangères. Actuellement, le CLS Bank fait par an 1 200, 1 000 milliards de dollars de transactions, juste échanger des devises entre eux. Et si on imposait là-dessus le même taxe, c'est-à-dire 2% que les banques imposent sur votre carte de crédit quand vous achetez des choses dans une devise autre que les euros, si vous êtes en France, ça générerait 24 000 milliards de revenus. Alors, pour dire que le système n'est pas juste. Les banques font des transactions tous les jours, des milliers de milliards de dollars sont échangés tous les jours. Ça ne coûte rien aux banques. Quand vous le faites avec votre carte de crédit, c'est 2%. Ça, c'est pas juste. Alors, j'ai une idée qui est particulièrement innovateur, il me semble, et qui n'est pas proposée par Edgar Fieger et les autres, c'est que cette taxe sur les transactions financières pouvait être variable. Le taux pouvait être variable. Spécifiquement, on pouvait ajuster automatiquement le taux pour obtenir un niveau de revenu pour l'État égal aux dépenses. En fait, c'est un moyen d'implémenter ce qu'on appelle la règle d'or, on garantit en quelque sorte que pour chaque pays, le taux de taxe doit être ajusté pour couvrir ses dépenses. Alors, autre chose à savoir, c'est que si on doit échanger de l'argent entre 2 endroits, 50% de la taxe doit être à la charge de l'émetteur et 50% à des charges du receveur. Autre chose qu'on peut faire, c'est de faire en sorte que les transferts venant des paradis fiscaux pourraient être totalement exemptés de taxes pour encourager les gens de repatrier leur argent caché dans les paradis.
Et de même côté, on pouvait avoir une taxe sur l'argent qui est transféré vers des paradis fiscaux qui pouvait être doublé. Donc tout ça, c'est des moyens d'améliorer le système. Alors juste pour te donner un exemple, imaginons que le taux en Allemagne était 0,1% et que le taux en Grèce était 0,5%. Dans ce cas-là, imaginons une société allemande qui veut payer 1 million d'euros à un hôtel en Grèce, par exemple. Dans ce cas-là, 50% des 0,1% va à l'Allemagne, ça fait 500 euros. 50% de 0,5% va à la Grèce, 2 500, ce qui fait un total de 3 000 euros. Ça, effectivement, c'est une taxe de 0,3%. De la même manière, si une société grecque veut payer 1 million d'euros pour acheter des voitures chez BMW, ce sera la même chose. 50% de 0,1% va à l'Allemagne, 500 euros. La moitié de 0,5% à la Grèce, 2 500, ce qui fait de nouveau un total de 3 000 euros, 0,3%. Donc, les imports et les exports sont traités de façon identique. Alors, bien évidemment, en interne, en Allemagne, les transactions coûtent moins cher, donc c'est un avantage, mais bon, la Grèce a besoin de rembourser ses dettes, donc c'est normal. Alors, quels sont les avantages d'un tel système? Ben, il y en a plein. D'abord, c'est totalement indolore, parce qu'en fait, c'est comme vous payez avec une carte de crédit, le fait qu'ils en ajoutent 2%, vous ne le voyez même pas. Donc, plus de feuilles d'impôt à remplir. L'implémentation d'une telle taxe est extrêmement peu coûteuse en fait, parce que c'est juste une ligne de code à ajouter dans le logiciel qui fait des transactions au niveau des banques. On n'a plus besoin d'une administration pour faire la collecte des impôts. Très difficile à contourner, hein, donc ça va quasiment éliminer la fraude. C'est très difficile d'éviter de payer des frais quand ils sont imposés par la banque. Ça va éliminer d'un coup toutes les niches fiscales qu'on a actuellement, parce que comme il y a plus de taxes sur les revenus et les sociétés, etc., il n'y a plus de régime spécial qu'on peut imaginer. Et ça d'un coup, ça va éliminer les groupes de pression, parce qu'il n'y a aucun avantage d'essayer de baisser les taux de taxation pour des secteurs précis. Et ça va avoir l'effet intéressant de mettre un fin sur la corruption des politiques actuellement aux États-Unis. Il y a des centaines de lobbyistes pour chaque élu qui essayent d'avoir des baisses d'impôts pour leurs clients, etc. Eh bien, c'est fini, parce que là, tout le monde paye la même chose, il n'y a pas de remise. Et spécifiquement, bon, ça n'empêcherait pas l'État d'aider des secteurs particuliers, l'agriculture, l'industrie, etc. Mais ça doit passer maintenant par les subventions, de l'argent, des impôts qui va vers un domaine particulier. Beaucoup plus difficile d'avoir ça que de réclamer des baisses d'impôts. Ça, c'est clair. L'élimination du blanchissement de l'argent, effectivement, ça va de soi parce que toute transaction est visible, donc difficile de faire des choses illégales là-dedans. Et très important, il y aura un nivellement de la situation des sociétés face à l'impôt. J'ai parlé tout à l'heure du fait que les sociétés multinationales ont un énorme avantage actuellement parce qu'ils arrivent à éviter de payer des impôts. Total, Google, les grandes banques, par exemple, payent très peu de taxes. Parce qu'ils arrivent à optimiser l'endroit où ils déclarent les impôts, etc. Ça, c'est quelque chose qui est impossible si vous êtes une petite société basée dans un pays. Donc ça va terminer, cet avantage va être fini.